Bonjour, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour chez Kiabi, voir s'ils ont sorti une nouvelle collection. Chaque fois, je trouve des petites pièces sympas. Voilà, ça par exemple. Typiquement, ma veste comme ça. Là, j'adore. Et les t-shirts, petits t-shirts messages. Des fois, il y a des robes longues. Moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Là, je recherche pas mal, même si j'ai acheté là dernièrement une belle robe longue. J'aime bien en avoir quand même pas mal pour l'été pour que ça tourne un minimum. Et je sais que là-bas, parfois, il y a des trucs sympathiques. Rendez-vous chez Kiabi. Je suis pas certaine d'avoir choisi le meilleur jour, samedi après-midi. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de musique, ça c'est déjà bien. Donc on est bien sur une collection été. Moi, les maillots de bain, en soi, ça ne m'intéresse pas. Je vous montre quand même parce que je pense que ça peut en intéresser. Parce que, bon, déjà j'en ai pas mal. J'avais fait il y a un an ou deux une grosse collab avec des beaux maillots de bain et je dois en avoir 7-8. Donc voilà. Très joli pour mettre sous le maillot de bain, enfin, sur le maillot de bain, 14 € avec les petites manches un peu dentelle. Ça, j'aime moins, mais c'est pareil, c'est le même principe. On a du pantalon évidemment très 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 confort et très coloré. C'est vrai que tu dois être bien là-dedans, toujours un prix très raisonnable. Hein. On a ce coloris aussi. J'aimerais bien quand même avoir quelques pièces à essayer, c'est quand même plus parlant, même pour vous. Quoi. Le petit sac de l'été, 14 €. Bon, tu peux pas mettre grand chose. Je sais même pas si le portable y rentre. C'est sympa ça. Petit débardeur crochet. J'imagine une petite chemise peut-être. Ok, plusieurs couleurs. Kaki, blanc. Est-ce que c'est toujours à la mode les perfectos? Je me suis posé la question. J'en ai un. C'est vrai que je le mets pas. J'ai l'impression que ça fait au moins 5 ans que je l'ai mis. Par contre, ils ont une ribambelle de petits shorts comme ça. Tu dois être hyper confort. Est-ce que c'est... Tu peux même dormir, je pense, avec. Bon, je sais pas. Ma foi, voilà, un petit peu plus clair. Ils sont jolis, ces petits shorts. Mais il n'y a pas ma taille. Oui, ça ressemble à ça. Sympa. Et celui-là. Ouais. Ça, en général, ça sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est quand même de la robe où t'es tellement à l'aise l'été là-dedans. Je trouve ça très très joli ces petits aussi là, croisés comme ça. Mais pas évident, il te faut un soutien-gorge particulier quand même. Bon, je peux vous dire que je me suis pas rendue. J'ai pris une dizaine de pièces. Il y a de tout, des pantalons, des robes, des jupes, des hauts, des trucs, des machins. J'ai pas l'habitude de mettre. Bon, il y a du monde, ça va être chaud de sortir là, sinon je vous montrerai ici. Mais j'ai repéré quand même quelques petites pièces sur la dizaine, il y en a au moins 3 qui me plaisent quand même. Bon, je commence par cette robe. Là, c'est drôle parce que la robe que j'ai achetée Valentin, elle est ouverte aussi, c'est peut-être la mode. Fendue, longue, des épaulettes. Bon, c'est pas moche, mais regardez, ça baille. J'ai pris 36 pourtant, ça baille. Ça baille de là. Et sinon, c'est sympa. Hein. Bon, elle est fendue, ça manque d'ajustement, je trouve. Mais sinon, elle est quand même très sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup les épaulettes, je trouve que ça structure. Ah non, ça baille vraiment trop, mais dans l'idée, c'est joli. Je crois pas que je vous ai donné le prix, je sais plus. La robe verte, si ça vous intéresse, 25 €. Bon, tant qu'à être dans la foulée des robes longues, celle-ci, bah, il y avait... Si, c'est de taille quoi. Ça y est, elle est longue, bon, elle fait un petit peu robe de plage, on est d'accord. Alors, elle est très jolie, je vais rester dans la cabine. Parce qu'elle est ultra transparente au niveau des fesses, donc on va éviter. Mais sinon, j'avoue qu'elle est super confortable. Moi, je la prendrai pas parce que vraiment trop transparente. Mais le crochet, tout ça, c'est beau. Hein. J'aime beaucoup l'encolure. Je trouve que ça fait un joli port de tête et au niveau des épaules, j'adore quand c'est comme ça. Mais non. Ensuite, je vais essayer ce pantalon et pour aller avec, j'espère que j'ai un petit haut. Je crois que j'avais. Je crois que j'ai sélectionné un body. Ouais, tiens. Ça va faire le job. Le petit body M. Un basique à avoir aussi. Alors, bah écoutez, le body, très bien. Je l'ai pris taille M hein, pour être à l'aise. Déjà, il me sert. Il est à 7 €. Et bah, ce pantalon, c'est joli. Si, c'est joli. Alors, je suis pas habituée trop. J'en ai un pantalon que j'aime beaucoup en bleu. Pourquoi j'ai des doutes parce que j'ai pas vu du dos. Bon, enfin, en tout cas, je suis confort. Je crois que je l'ai pris 38, non? J'ai pris S, il est à 18 €. Attends, je vais regarder, mais je crois que... Assez rapide. Ouais, il y a trop de monde, c'est pas possible. Non, ça va, tout le monde est parti.
pas mal, hein, quand même. Du coup, je vais essayer, c'est quoi? Ah bah, cette jupe avec le body, hein, tant qu'à faire, elle est fendue aussi, elle est mignonne. 15 euros, j'ai pris taille S. Alors celle-ci, pas du tout convaincue, elle a un truc bizarre, t'as l'impression que enfin, ça te grossit de fou, je trouve. Parce qu'en fait, il y a une coupe, je le sens là, ça fait boum. Donc non, bah non, non, non. Après c'était joli hein, en soi le motif, mais non, ça va pas le faire. Alors je vais essayer la jupe fendue crayon noir, qui fait un peu jupe de secrétaire. Ouais, non. Je suis pas convaincue. Le truc c'est que j'en ai pris 3-4 avec des tailles différentes. Non, celle-ci au niveau de la taille, on peut pas dire ça va. Mais non. Tiens, j'ai pris aussi cette veste en 34. 27 euros, sans manches, et je pense que ça peut être chouette avec la tenue là que je porte. Déjà j'ai bien fait de prendre XS parce qu'elle est très très large. C'est pas moche, hein. Après c'est au niveau du teint, je sais pas, mais j'aime bien quand même moi ce genre de pièce. J'en ai pas des sans manches. Il y a un problème avec cette pièce, je crois. C'est que ces conneries. J'avais pris 36, non mais c'est pas possible. Attends, parce qu'elle est là ton truc. 46, j'ai pris 46. Oh, c'est dommage, j'aimais bien la salopette. J'ai pris quelques petits trucs et au moment de payer, bah, ça n'a pas marché. J'ai retiré à Leclerc et je crois que j'ai trop fait de paiement avec ma carte entre mes trucs dans le crâne, les machins, les trucs. Par contre, là, si ça fonctionne pas, je vais commencer à m'inquiéter. Oh bah mince, j'avais pas vu, ma carte est périmée en fait. Ouais, jusqu'à quand celle-ci? Oh, puis c'est le week-end, super. Oh les boules, je viens de comprendre, ma carte a périmé hier à minuit. On était le 31 mai et on est le 1er juin. Bah voilà. Je vais demander à Eric. C'est-à-dire que lundi, la banque est fermée. Mardi, il faut que je contacte ma conseillère. C'est une nouvelle journée. Bon, bah au final, j'y suis retournée. Hein. J'ai récupéré mes 3 pièces que j'avais mises de côté. Je vais vous les montrer. C'est dimanche matin, on est invité à un barbecue. Je crois qu'on va être 18 ou 20. Il fait pas ouf au niveau du temps. Et je vous montre parce que j'ai rajouté un article. Je l'avais pas vu à la caisse. C'est très beau. Je les trouve vraiment jolis. Je vais pas les mettre là avec ma tenue, je suis pas certaine. Mais regardez un petit peu l'idée. En plus, je les ai pas désinfectés. Je les trouve vraiment sympas. Voilà. Et donc, qu'est-ce que... Ah merde, j'ai perdu le petit bout. Je me dis pas que j'ai déjà fait... Ah, il est là. Ah bah non, il est plus là. Alors là, je vous le dis, je vais galérer pour retrouver le petit embout. Et oui. Bon bref, sinon elle coûte 8,99€. Donc j'ai pris le body noir. Non, c'est de ce côté-là, mais enfin bon, on s'en fout. Le petit body noir, 7€. J'ai pris évidemment le pantalon. Celui que je porte là, c'est un petit peu le même style. C'est un long comme ça. Je vais être tellement bien, je pense que vraiment je vais le mettre assez souvent cet été. Bah, vous l'avez vu porter, hein. Il est très chouette, avec le body noir notamment. Et j'ai pris donc cette pièce, sans les manches, avec les épaulettes. Hyper jolie, je trouve. Voilà, je vais essayer quand même de retrouver la petite attache, elle est dorée. Et puis je verrai si je fais des petites prises de vue au barbecue. J'avais mis des gamins de par terre sur mes plaids. C'est dommage, ouais. C'est pas écrit, mais bon. Les salades sont magnifiques, là. Ouais. C'est top, ça, déjà, non? Ça, ça a l'air pas mal aussi. Ouais. Il manque juste 3 mètres. C'est quoi, ça, bavaroise? Ouais. À quoi? Chocolat blanc, framboise. Re-coucou. Mais le lendemain, hier le barbecue, parce que oui, même si c'était en intérieur, à la base c'était prévu extérieur, elle avait mis plein de lumière, mais non, laisse tomber, il faisait beaucoup, beaucoup trop froid. J'aime bien parce que là j'ai un petit peu déroché, c'est barbecue, tu vois aucune viande, alors qu'il y avait aussi des gros comme ça, un peu comme des ribs quoi, des travers de porc, qu'est-ce que c'était bon. Comme je vais être toute seule une bonne partie de l'après-midi jusqu'à au moins 20h, je dis toute seule, Jackie est là. Ouais parce qu'Eric il va enchaîner 2 conseils de classe, on peut être là avant 20h peut-être. Je vais en profiter moi pour faire du tournage, du montage à fond la caisse. J'ai hâte de refaire mes petites racines là. Je crois que j'ai rendez-vous dans un petit 10 jours. On l'aura pas vu beaucoup Bilou dans ce vlog. Ah non? Ça se repose. Il aime toujours sa mère, celui-ci? Ah oui, bien sûr, il aime sa mère. Vous savez ce qu'il m'a fait ce matin? C'est de pire en pire. Je me suis retournée, très honnêtement, hein, le temps de faire clips pour allumer le four. Moi, je prends des muffins le matin. Je sors le paquet de 4 muffins. J'ouvre le paquet. Je le sors très rapidement. Je me retourne encore plus vite. Et là, il s'était déjà barré avec le muffin dans la gueule. Et il est en train de tourner autour du canapé. Je ne sais plus. Et aussi, avant que je n'oublie, parce que je vous avais dit dans le vlog précédent,
que j'appliquerai. Je vous montrerai en fait le nouveau fond de teint Shiseido. Donc là, je le porte. Je l'avais mis également hier au barbecue parce que je me disais, si on est en extérieur, ça peut être chouette. Ivoire médium, hein, j'ai pris. Voilà, de plus près, mon teint. Je vais le laisser tranquille. Ce matin, j'ai reçu ma commande de carton et ils m'ont offert mon fournisseur en fait de carton. Parfois, ils me font des cadeaux. Maintenant, ça s'appelle par le prénom carrément. Ok. Et ouais, donc ça, c'est le petit cadeau. On va découvrir ensemble. Alors, j'avoue que d'habitude, c'est genre des petits présentoirs dans lesquels il y a plein de bonbons Haribo ou des galettes Saint-Michel. Et qui commande, c'est pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça raconte? C'est léger en tout cas. C'est la petite attention. N'empêche, ça fait 3 ans que je bosse avec eux, hein. Pas depuis la box. Il y a beaucoup de vide. Attends. Un kit de barbecue. Eh bien, nous n'avons pas de barbecue. Parce que nous n'avons pas de... On a une cour, mais on n'a pas de jardin, tout ça. C'est sympa quand même. On peut pas dire. Le petit kit. Eh ben, je trouve que ça coule, moi. Oh non, mais t'as même le gant. C'est excellent. Regardez, ça aussi, c'est mignon, hein. Pour mettre les aromates, je pense. Le sel, le poivre. C'est chouette, non? Bon, bah merci, Raja. Pendant qu'on y est, j'ai reçu également ça. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est un bouquin, mais c'est pas pour moi. The Happy Vibes Club. C'est pour ma sœur, celui-ci. Il est beau. Ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais bosser, parce que là, la journée, quand même, passe assez vite. Il est déjà 14h. Je vais bosser à fond, je vais finir le montage de ça, et je vais enchaîner, quoique non. Enfin, en tout cas, on va se retrouver mercredi pour la suite des vidéos et notamment des vlogs. J'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi quand même en commentaire ce que vous avez préféré comme pièce. Et même si c'est pas une des... Quand je dis des pièces qui habillent, même si c'est pas un des articles que j'ai acheté, ça m'intéresse. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi pour la suite des aventures. Ciao.